gros Sofra. Si vous pouvez arrêter, je ne peux pas comprendre. Il a eu mal après. Non. Il faut être tranquille, le gars. Oh putain. Fermé. Putain. Eh oh. Bon, moi je me casse. Attends, j'ai une idée. On a qu'à sauter le portail. Ah ouais, vas-y. Vas-y. Mets des sacs. Vas-y, passe. André. Ah bonjour Walid, j'avais peur que tu ne viennes pas aujourd'hui. Va t'asseoir, s'il te plaît. Alors c'est important, aujourd'hui nous allons travailler en groupe sur la vie politique en France au 19e siècle, comme j'ai pu écrire au tableau, avec quatre groupes sur quatre personnages différents. Étienne de Lantier et Point de Mort. Ces quatre personnages, les différentes couches sociales du 19e siècle en France. Ces quatre personnages, nous allons les étudier avec précision. Ces deux catégories sociales ont deux caractéristiques au niveau politique diamétralement opposées. Une, le capitalisme. Et une seconde idéologie politique, le socialisme. Qui apparaît dès la fin du 19e siècle. Eh monsieur, laissez-le entrer. Bon, ça va, allez le chercher. Hé, hey, Yassine, viens. T'es passé à la scolaire? Non. T'as pas de monde? Non. Et pourquoi tu y es pas allé? Elle va encore reprendre la tête. Je leur prends la tête, je fais mon travail, c'est tout. Et puis j'essaye un petit peu de les aider à s'organiser. Vous savez, c'est pas facile hein, de gérer des classes avec des groupes aussi importants, autant d'élèves. Puis bon, quand même un petit peu de respect pour les autres élèves qui arrivent à leur encours, non? Entrez. Bonjour Yacine. Bonjour monsieur. Bon, ça va Yacine. Oh, respect. Ça va, monsieur. Non, ça va pas. Où tu étais? J'étais dehors. T'as pas attendu la sonnerie? Si, mais j'étais avec des collègues. Il est arrivé en retard, tu t'en moques? C'est pas grave. Si, c'est grave. Allez, dehors. Sarah, tu l'amènes chez le CPE. Mais pourquoi moi, monsieur? Parce que c'est comme ça et pas autrement. Allez, dehors. Putain, tu fais chier, pourquoi t'es pas venu à l'heure? J'étais dehors, j'écoutais un peu de musique. Ouais, mais à l'attendant, tu perds du temps à tout le monde. Bah ça va, lâche-moi, tu veux. Je comprends pas, t'es pas bien ici, ça te plaît pas l'école? Non. Pourquoi?
Je sais pas. Have you seen your family? Yes, today I have seen my family. Sister, brother, mother, fucker. Bon allez Tariq, ça suffit maintenant. Vous sortez, vous prenez vos affaires et vous sortez. Même dame. Dehors. Il a lu Motherfucker, c'est vrai. Mais il a juste du mal à lire l'anglais, c'est pas de sa faute. C'est tout. Bon allez Marie, vous prenez la suite. Surf camp for beginners. New South Wales, Australia. You've never tried surfing the waves. It's got the city for a week. Yacine, ça suffit. Vous prenez vos affaires et vous sortez. Bon, Marie, continuez. Je t'ai vu gérer. T'allais plus près que ça. Tu as les stylos. T'es malade. Toi, t'as dit moi ça. Tranquille. Oh putain, trop bien. Il y aura un malheur, un accident. Et là, ce sera vraiment grave. Je sais plus comment faire. Parce qu'ils sont pas méchants, hein, mais ils sont vraiment pas faciles. Mais qu'est-ce que vous faites ici? On se planque. Mais vous êtes mongol ou quoi? On se planque, je te dis. Oui, c'est ça, tu te planques. Mais tu vois pas qu'ici tu vas griller comme un poulet? Allez, sors de là, je te dis. La. Hey mec, salut, j'ai trouvé une combinaison pour toi. Il faut aller la chercher cet après-midi, parce qu'après ça sera trop tard. Ah mais c'est génial. On ira tout à l'heure. C'est quoi ce plan? Qu'est-ce que tu vas faire avec une combinaison? Mais c'est pour le ski. Quoi le ski? Mais tu sais bien, on s'en va la semaine prochaine, 2 jours avec le collège. Mais c'est génial, en plus c'est gratuit. Moi, le roi du snowboard. Hey Yacine, tu viens pas au ski? Je sais pas, j'étais même pas au courant. Mais si, c'est la prof de français, elle nous en a parlé en début d'heure lundi. Ah oui, je me rappelle ce cours-là que t'arrives en retard. Hey Yacine, va voir CPE, dis-lui que je vais y aller au ski. John, le roi du snowboard. Arrête tes conneries toi, tu veux pas que tu nous emmerdes? Yo, calme-toi, t'avais qu'à pas arriver en retard. Hein. On va voir CPE, peut-être il est important de prendre des places. Non, c'est bon, on va encore me prendre la tête. De toute façon, je m'en fous du ski. Tu connais une ou deux? Eh oh, je suis pas un nouveau-né. Je dis que je n'ai rien à foutre du ski. Allez, casse-toi. Bon, ça va. Hein. Fais chier. Eh ouais, c'est con, il serait bien allé au ski. T'es qui toi? Oh putain! C'est quoi ce plan? Tu as de la chance Yacine, il reste encore des places. Tiens, tu remets ce papier à tes parents et tu me le ramènes demain matin rempli. Oui, Yacine,